Jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Adam et Jean-Baptiste, c'était dans le séjour des morts. Nathan et Jean-Baptiste, tout c'était dans le séjour des morts. Car le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas les entraîner dans la présence du Seigneur. L'Éternel les aimait. Ainsi Jésus donnait sa vie à la croix du Calvaire. Ainsi Jésus est venu donner sa vie à la croix du Calvaire. Il nous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur le séjour des morts. Ainsi moi je chante jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Et oui, jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Nous sommes le fruit de la victoire de Jésus ce soir. Alléluia. Comme Moïse éleva ses mains sur la montagne. Comme Moïse éleva ses mains sur la montagne. Pour donner la victoire au peuple d'Israël. Là-bas dans la vallée, ainsi Jésus, notre Moïse, a élevé ses mains à la croix. Il a formé un pays avec ses mains et remarqué qu'il fut tué contre Dieu. Moi je chante, jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Et oui, jour fait, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, a acquis mon salut. Jésus en montant à la croix. Si le diable savait que Jésus en montant à la croix, c'était la victoire sur le péché. C'était la victoire sur la mort. C'était la victoire sur le séjour de mort. C'était la victoire. C'était la victoire sur toutes choses. Il n'aurait pas accepté de tuer Jésus à la croix du Calvaire. Il n'aurait pas résolu
mauvais pour si et mon sang à la fois. Mais c'était un mystère caché. Mais c'était un mystère scellé. Même les anges ne savaient pas le jour meilleur. Jour veillé, jour de victoire, mon Seigneur Jésus. Et oui, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, à qui mon salut. Les anges qui se tenaient là ce jour-là, dire ton Seigneur, si tu peux seulement élever la main. Si tu peux seulement nous faire un petit signe, nous changeons la scène en ce lieu. Mais c'était un mystère caché. Mais c'était un mystère scellé. Même les anges ne savaient pas le jour veilleur. Jour veillé, jour de victoire, mon Seigneur. Et oui, jour de victoire, mon Seigneur Jésus, arrive mon salut. L'apôtre Paul, ayant compris ce mystère, il pouvait crier, mort, où est ton aiguillon? Et toi, ton mot, où est ta victoire? Car Jésus, à la croix, avait vaincu la mort, avait vaincu le tombeau. Moi je chante de jouer, jour de victoire, mon Seigneur, aïe, mon salut. Et oui, jour de victoire, mon Seigneur. Ayant compris ce glorieux mystère, il nous enseignait, si un incrédule vous disait, que faire Paname est mort, ne le croyez pas, car Jésus à la croix nous a donné la victoire sur la mort et le tombeau. Ainsi, moi je chante. Jour de victoire, mon Seigneur. Jésus-Christ avait vaincu pour toi. Jour de victoire, mon Seigneur. Jésus, à qui mon salut. Et oui, jour de victoire, mon Seigneur. Thank you.
Connais-tu celui qui te guérit de toutes tes maladies? Celui dont il est dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris de toutes nos maladies. Connais-tu celui qui te guérit de toutes tes maladies? Celui dont il est dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris de toutes nos maladies. Oh, 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 Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia, agneau de Dieu immolé. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia, toute ma vie je te louerai. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia, toute ma vie je te servirai. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Connais-tu celui qui ôte le péché du monde? Celui dont il est dit par le prophète Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Connais-tu celui qui ôte le péché du monde? Celui dont il est dit par le prophète Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia, le thème de ma vie. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia, il est le Dieu tout-puissant. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Connais-tu celui qui ressuscita Lazare de la tombe pendant qu'il s'était né là comme un simple homme? Maigri à d'une voix forte, Lazare, sors! Connais-tu celui qui ressuscita Lazare de la tombe pendant qu'il s'était né là comme un simple homme? Maigri à d'une voix forte, Lazare, sors! C'était Jésus. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, il veut encore te guérir ce soir. Jésus, il est vivant. Jésus, il est mon sauveur. Jésus, oh, alléluia, toute ma vie je te louerai. Jésus, je te servirai. Jésus, l'agneau immolé. Jésus, oh, alléluia. Connais-tu celui qui sortit les enfants d'Israël de la servitude dans le pays de l'Égypte? Par sa main puissante. Connais-tu celui qui sortit les enfants d'Israël
de la servitude dans le pays de l'Égypte. Par sa main puissante qui était Moïse, c'était Jésus. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, allez. Jéhovah d'Ancien Testament, Jésus, c'est Jésus dans le nouveau. Jésus, mon roi, il est mon sauveur. Jésus, oh, alléluia. Le thème de ma vie, Jésus. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Connais-tu celui qui sauva Shadrach et Meshach? Et Abednego de la fournaise ardente. Par sa main puissante. Connais-tu celui qui sauva Shadrach et Meshach? Et Abednego de la fournaise ardente. Lui qui était le quatrième homme, c'était Jésus. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, allez. Il est le Dieu vivant, Jésus, laisse-moi le louer. Jésus, mon roi, il est mon sauveur. Jésus, oh, allez. Toute ma vie je te servirai. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Connais-tu celui qui ressuscita Lazare de la tombe? Pendant qu'il s'éteint là, comme un simple homme, mais cria d'une voix forte, Lazare, sort. Connais-tu celui qui ressuscita Lazare de la tombe? Pendant qu'il s'éteint là, comme un simple homme, mais cria d'une voix forte, Lazare, sort. C'était Jésus. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Le thème de ma vie, Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Il est le grand médecin, Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Laisse-moi te louer, Jésus. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Laisse-moi t'élever, Jésus. Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Jésus, Jésus, mon roi, Jésus, oh, alléluia. Pole na kolo e yelinga ilelo e kutinga ikatina mokili oyo ya mawa motema mwanga moto bina masumu
Ego moina ngai nyoso kaka na bino Bole na nkolo eyeli ngai lelo Ekuti ngai kati na mokili oyo ya mawa Motema mwangai moto kina masu Ego moina ngai nyoso kaka na bino Yango ngai na leli Kolo Yesu yo kangola nga Kangola nga ikati na masu Ete na bomo inanga yonso Nasalela bobele yo Yango nga inaleli Kolo Yesu yo kangola nga Kangola nga ikati Ete na bomo inanga nyoso Na umela bomo ya liloa Yeswe yelinga yelo Ekuti ngai kati na mokili oyo ya mawa Motema mwangai moto na masu Ebo moina ngai nyoso kaka na bino Bole na kolo yelinga yelo Ekuti ngai kati na mokili oyo ya mawa Motema mwangai moto na masu Ebo moina ngai nyoso kaka na bino Yango ngai na leli Kolo Yesu yo kangola nga Kangola ngai kati na masu Ete na bomo inanga nyoso ke Nasale la tata bobele yo Yango ngai na leli Kolo Yesu yo kangola nga Kangola ngai kati na masumu Ete na bomo inanga nyoso ke Naumela bomo ya liloba Kolo Yesu yo ye na mokili oyo Yo tindeli ngai mosakoli mwana Mokili oyo oye Kasi ngai mwana na yo Yesu nangiliye Nafungoli yo motema mwangai Oyo Yesu tambe yo zangi esika Oyo tia tambe moto na yo Baka kesambo Yesu na nipesi na yo Yango ngai na leli Kolo Yesu yo kangolanga Kangolanga ikati na masumu Bomo inanga nyoso ke Nasale la tata bobele yo Yango ngai na leli Kolo Yesu yo kangola nga Kangola nga ikati na masu Ete na bomo inanga nyoso ke Na umela
komo ya liloba. Gloire au Seigneur. Kolo Yesu yoye na mokili oyo yo timeli ngai mosakoli manana mokili oyo eboye kasi ngai mwana na yo Yesu nangi haleluya nafungoli yo motema mwangai Oyo Yesu Nzambe ozangi esika Oyo tia Nzambe moto na yo Baka kesa Yesu na mibesi na yo Yakonga ina leli Olo Yesu yo kangolanga Kangolanga ikati na masu Ete na bomo ina kai nusoke Nasalela bobele yo Yangonga ina deli Kolo Yesu yo kangolanga Kangolanga ikati na masu Ete na bomo ina kai nusoke Naumela bomo ya liloba Kolo Yesu yo kangolanga Kangolanga ikati na masu Ete na bomo inangai nyoso Nasalela tafe bobele yo Yangonga inateli Kolo Yesu yo kangolanga Kangolanga ikati na masu Yete na bomo inangai nyoso Na ume na bomo ye Oh moi je vais être comme Jésus Je veux être comme Jésus toute ma vie Et moi je veux être comme Jésus Je veux être comme Jésus toute ma vie C'est lui l'adorable, c'est lui notre idole C'est lui que nous glorifions ce soir Il est digne de louange. Et moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas, là-bas en Galilée, il priait sans cesse, vraiment il priait sans cesse, bien qu'il ait été la parole péchée. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché, je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais
voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Oh, moi je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Oh, oh. Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il s'humilia, vraiment il s'humilia. Il est allé jusqu'à la baie, les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, il s'est tellement humilié que le Père l'a souverainement élevé. Quand il marcha là-bas au mont roi, là-bas en Galilée, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens, qui d'entre vous me convaincra de péché? Une seule parole que je n'ai pas accomplie, je voudrais parler comme Jésus. Je voudrais parler comme Jésus. Je voudrais parler comme Jésus. Jésus. Je voudrais parler comme Jésus toute ma vie. Oh, oh. Quand il marcha là-bas au mont roi, là-bas en Galilée, on ne le vit point avec des copines, ni dans des buvettes en train de prendre l'alcool. Sa vie rend des témoignages qu'il était le Fils de Dieu. Je voudrais vivre comme Jésus. Je voudrais vivre comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais vivre comme Jésus. Jésus. Je voudrais vivre comme Jésus. Toute ma vie. Oh, oh. Et en ce temps de la fin, il a marché à Kentu. Nous l'avons vu s'identifier dans la vie de William Branham, lui notre messager. Nous devons être immergés dans la vie de cet homme de Kentucky. Je voudrais vivre comme Jésus. C'est l'identification. Je voudrais vivre comme Jésus. Toute ma vie. Oh, moi je voudrais vivre comme Jésus. Je voudrais vivre comme Jésus. Toute ma vie. Oh, je veux aimer comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prêcher comme Jésus sans compromis.
Je voudrais prêcher comme un Jésus toute ma vie. Je voudrais marcher comme Jésus. Jésus, je voudrais marcher comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Religieux ce soir. Oh, le sang, Dieu crée pour le sang. Oh oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu accueille. Eh oui, le sang. Pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu n'accueilles. Oh, le sang. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu n'accueilles. Le sang, ou toujours le sang, qui est la seule chose que tu n'as pas ailleurs. Oh. Dès l'éternité, l'agneau fut immolé dans la pensée éternelle. Grand Elohim, dès l'éternité, c'est ça. L'agneau fut immolé dans la pensée éternelle. Du grand Elohim, c'était le sang, mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu accueille. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu accueilles. Oh, le sang. Quand Adam et Ève péchaient dans le jardin d'Éden, au commencement, pour calmer la colère du Dieu vivant, il fallait le sang des agneaux innocents, car c'est le sang. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu agrées. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu quand Caïn sortit pour adorer, il dressa un autel devant l'Éternel. Il prit tous les bons fruits de sa récolte et les offrit au Seigneur. Pauvre créature du temps indénominationnel. Mais comme cela n'était pas le sang, cela déplut au Seigneur, qui le rejeta, car c'est le sang. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu n'accueilles. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu n'accueilles. Oh, amen. Quand Abel
sorti pour adorer. Il dressa un autel devant l'Éternel. Il prit un agneau innocent qu'il égorgea et le sang coula. Et quand Dieu vit le sang couler, il agréa son offrande et le bénit. C'est le sang, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu agrée. Encore le sang, mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu agrée. Quand Joseph fut vendu au marchand, 30 pièces d'argent, par ses frères, pour calmer la colère de Jacob, qui parlait que la robe arc-en-ciel soit teintée de sang, car c'est le sang, mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu a. Encore le sang, mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu m'a créée. Oh, le sang. Dieu n'a créé que le sang. Mon bien-aimé, sans effusion de sang, point de pardon des péchés, déclare la Bible. Oh ma bien-aimée, alléluia. Sans effusion de sang, point de pardon des péchés, déclare la Bible. Car c'est le sang, mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu a créée. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu a créée. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu voulait les détruire. Mais le sang faisait l'intercession auprès du Père, lui disant: tu n'as pas encore révélé. Mais c'était tonnerre, c'est le sang, mais où le sang, où toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu a créée. Le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu a créée. Oh, la vie, c'est amen. À chaque fois que nous commettons un péché, la colère du Dieu vivant s'enflamme contre nous. Mais le sang de Jésus-Christ est comme un pare-choc qui reçoit tous les coups en nous protégeant. Car c'est le sang, mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu a créée. Oh oui, le sang, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que Dieu t'a créée. Oh, la vie.
Oh mon bien-aimé, applique le sang dans ta vie, car l'ange de la mort va bientôt passer. Oh ma bien-aimé, applique le sang dans ta vie aussi, car l'ange de la mort va bientôt passer. Et le sang, c'est le messager de l'heure, prêché par les prophètes. Il y a Marie-Pierre, c'est ça le sang. Le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu m'accueilles. Mais oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu m'accueilles. Alléluia. Comme mon frère Émile a chanté, oh ma religion, c'est la religion du sang. Comme mon frère Émile a chanté, oh ma religion, c'est la religion du sang. Toujours le sang, mais oui le sang, oh toujours le sang, qui est la seule chose que tu. Oh oui, le sang, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as. Oh oui, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as. Oh oui, le sang, le sang, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as. Oh oui, le sang, le sang, pour toujours le sang, qui est la seule chose que tu as. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus qui te dit ce soir, par cette meurtrissure, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui, il a les derniers mots. Mon Seigneur Jésus, il a les derniers mots. C'est lui la même finale, il a les derniers mots. Sur ta vie, mon frère, Jésus, il a les derniers. Mots. Sur ta vie, ma sœur, il a les derniers mots. Comme le lion dans la forêt, il a les derniers mots. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a les derniers mots. La fin et l'oméga, Jésus, il a les derniers mots. Oh. La femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus, mon problème qui n'a que trop duré trouvera certainement une solution, trouvera certainement son épilogue, car moi je sais, il a les derniers mots.
mon Seigneur Jésus. Il a le règne du monde. C'est lui mon absolu, ô Jésus. Il a le règne du monde. Le point de référence final. Il a le règne du monde. Même si papa parle, il a le règne du monde. Même si maman parle, il a le règne du monde. Au jour de sa chair, quand il s'est trouvé devant le centenier romain, dont le serviteur était gravement malade, juste un mot de Jésus pour que la scène avait changé. Juste un mot de mon roi, toute la scène avait changé. Tout cela pour prouver qu'il a les nerfs. Mon Seigneur Jésus, il a le règne du monde. Sur ta vie, mon frère, Jésus, il a le règne du monde. Sur ta vie, ma soeur, Jésus, il a le règne du monde. C'est lui ma guérison, il a le règne du monde. C'est lui mon salut, il a le règne du monde. C'est lui ma solution, il a le règne du monde. Mon Jésus, il a le dernier mot. Une tempête s'éleva. Les disciples étaient remplis de frayeur. Ils réveillèrent Jésus-Christ. Il calma la tempête. Par sa parole parlée, il calma la tempête. Tout cela pour prouver qu'il a les nerfs du monde. Mon Jésus, il a les nerfs. Comme le lion dans la forêt, il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, ô Jésus. Il a le dernier mot. C'est lui ma solution. Il a le dernier mot. C'est lui la même finale. Il a le dernier mot. L'Alpha et l'Oméga, c'est Jésus. Il a le dernier mot. Pierre, pêcheur expérimenté, passa toute la journée sans attraper même un fétin. À l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Il prononça la parole et il eut du poisson. Il prononça la parole et le filet se remplit. Tout cela pour prouver que Jésus, il a les mêmes mots. Mon Seigneur Jésus, il a les mêmes mots. Sur ta vie ce soir, il a les mêmes mots. Sur ta vie ce soir, il a les mêmes mots. C'est lui ma guérison, il a les mêmes mots. Comme le lion dans la forêt, il a les mêmes mots. Quand il a touché, c'est le silence, il a les mêmes mots. Jésus, il a aimé moi.
temps de la fin, il accomplit la même chose. Il plaça ses paroles dans la bouche de Banane. Les agences de météo prédisaient une tempête. Banane prononça la parole, la tempête se frappa. Banane prononça la parole, le petit poisson ressuscita. Banane prononça la parole, et il le sentirait. Il sera pour vous bénir. Il a les derniers mots. Oh Jésus, il a les derniers mots. Il est le même hier. Il a les derniers mots. Aujourd'hui et pour toujours. Il a les derniers mots. Oh Jésus, il a les derniers mots. Oh Jésus, il a les derniers mots. Il a les derniers mots. C'est lui mon absolu. Il a les derniers mots. Le point de référence final. Il a les derniers mots. L'alpha et l'oméga, oh Jésus. Il a les derniers mots. C'est lui ma guérison. Il a les derniers mots. C'est lui ma solution. Il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Mon Jésus, il a les derniers mots. Ces jours-là où tu entreras à Sion, sur le dos de l'âne, le petit dit ma naisse. Sur le dos de l'âne, le petit dit ma naisse. Zambé, sur le dos de l'âne, le petit dit ma naisse. Hosanna, fils de David. Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. De joie, Jérusalem. Voici ton roi, viens. Il est humble et doux. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne, le petit
la naisse. Alléluia. Quelle est cette attraction sur la montagne? Quelle est cette attraction sur la montagne? Oh, des oliviers à Jérusalem. Société Dieu faisant l'histoire, accomplissant sa parole, accomplissant sa parole. De Zacharie 9. Zacharie 9. Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi est là. Voici ton roi est là. Jérusalem. Si le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Si le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Saint Béode. Si le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Abraham, Isaac, Jacob. Et tous les anciens d'Israël. Ils attendaient ce jour-là. Ils attendaient ce jour-là. Tu entreras Sion sur le dos de l'âne, sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Tu avais promis à ton épouse, Seigneur, tu avais promis à ton église que tu viendras toi-même. Tu avais promis que tu viendras toi-même. Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley et tous les saints des sages. Ils attendaient ces jours-là. Ils attendaient ces jours-là. Où tu entreras. Où tu entreras Sion. Sur le dos de l'âne. Le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne. Le petit d'une ânesse. Sur le dos de l'âne. Le petit d'une ânesse. Oh, oh. Sur le dos de l'âne. Le petit d'une ânesse. Réjouis-toi, petite épouse, pousse de cris de joie, Jérusalem. Voici ton roi, viens. Il est humble et doux. Sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sylvain, sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sacola, sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Lisse, sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Oh, 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 sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Emmanuel, sur le dos de l'âne, le petit d'une ânesse. Sur la montagne, pour qu'il ait cette attraction sur la montagne, oh, oh, oh. Du soleil couchant. Alléluia. En Arizona, c'était Dieu faisant l'histoire, accomplissant sa parole, accomplissant sa parole. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Apocalypse 10.
Apocalypse 10. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Zacharie 14. Et Zacharie 14. Réjouis-toi, petite épouse. Réjouis-toi, petite épouse. Voici ton roi est là. Voici ton roi est là, Jérusalem. Gloire à Dieu, il est digne de louange. Paul Irénée Colomba, Martin Luther Wesley, même Charles Price, même Charles Price, ils attendaient ces jours-là où tu t'engouffreras majestueusement. Alléluia. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Sur le dos d'un âne, le petit d'une ânesse. Essayez de descendre un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Seigneur, tu n'as pas besoin, mon Dieu, des vendeurs de ton évangile, même pas d'une technique. Des ventes, mais tu as besoin des panneaux publicitaires. Oh, allez partout dans le monde, fais de toutes les nations mes disciples. Oui, les faisons baptiser au nom de Jésus. C'est cela la mission de l'Église. Oh, Jésus. Les jours je pleure, que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Oh Seigneur, l'âme soupire, gémit, que je sois un vrai panneau. Pour attirer ce monde affamé. Pas de fait. S'il y
a personne qui peut l'annoncer. Et s'il n'y a personne pour le recevoir, c'est pourquoi nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Et vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Mais si le sel perdait sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on que notre lumière luise ainsi devant les hommes? Oh Jésus, l'âme soupire, gémit, que je sois un vrai panneau. Oh Jésus, une référence pour attirer ce monde affamé. Le troisième testament, c'est la vie vécue de l'épouse. Si tu ne peux pas prêcher la parole, vis simplement la parole. Alléluia. Ce monde est plein de perdus. Alléluia. Ce monde affamé, un homme qui perd son chemin a besoin d'une référence. C'est soit un arbre, un rameau ou encore un panneau publicitaire. Et ce monde est plein de perdus. N'oublie pas, Jésus est le chemin. La seule manière pour ce monde d'atteindre Jésus, c'est toi mon frère, ma soeur, tu es la référence. Oh Jésus, nuit et jour j'implore, que je sois un vrai panneau. Oh mon Jésus est une référence pour attirer ce monde affamé. L'évangile n'aura pas d'effet, mon Jésus, s'il n'y a personne qui peut l'annoncer. Même s'il n'y a personne qui peut le recevoir, c'est pourquoi nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Oh, nous sommes le sel de la terre, a dit Jésus. Mais si le sel perdait sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on que notre lumière luise ainsi à Dieu pour. Oh Jésus, l'âme soupire, gémit, que je sois un vrai panneau. Référence pour attirer ce monde. Ce monde plein d'orgueil. Pour attirer ce monde. Ma soeur, comment tu peux attirer? Pour attirer ce monde. La façon de t'habiller. Pour attirer ce monde. Comme la reine Esther. Pour attirer ce monde, fuyant le Dieu de la mode. Pour attirer ce monde, pour attirer ce monde affamé. Que le Seigneur bénisse. Jean le divin, à qui Jésus avait promis
délivrer sa seconde venue. Jean le divin, à qui Jésus avait promis, qui ferait sa seconde venue, puis établi par le Saint-Esprit, évêque à Éphèse. Alléluia. Puis établi par le Saint-Esprit, évêque à Éphèse. La promesse de Dieu devait s'accomplir. Quand la promesse de Dieu devait s'accomplir, il a dû se déplacer jusqu'à l'île de Patmos. Il a dû se déplacer jusqu'à l'île de Patmos. Remarquez la distance qui séparait Éphèse à Patmos, était de 50 km. Mais remarquez la distance qui séparait Éphèse à Patmos, était de 50 km. Le chiffre 50, c'est un chiffre de Dieu. C'est le chiffre. C'est sa part, c'est ta geste de l'église, pour mon bien. Gloire à Dieu. Jean a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit révélée. Il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit accordé. Gloire à Dieu. J'ai vu ce grand prophète Moïse, qu'il est saint, le peuple d'Israël, sous la montagne Sinaï, et s'éloigner, rencontrer l'Éternel qui lui donna les tables de la loi. La parole du jour de Moïse. Il a dû s'éloigner du peuple d'Israël. Il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit. Il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit accordée. Seigneur, je veux faire ces 50 kilomètres. J'ai vu l'apôtre Paul dans le désert d'Arabie, où il étudia la parole du Seigneur, et il nous a écrit le Nouveau Testament. Il nous a écrit le Nouveau Testament. Il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit révélée. Il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit accordée. J'ai vu même le Seigneur Jésus qui frappe ça au milieu du chandelier. Il a traversé les étages de l'église jusqu'à la fin, où l'Éternel Dieu Tout-Puissant devait lui donner sa couronne.
son épouse bien-aimée. Même Jésus aussi a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que sa couronne lui soit accordée. Il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que sa couronne lui soit accordée. Aussi. J'ai vu William Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Il a dû quitter la côte est. Alléluia. Pour aller à la côte ouest, où les sols devaient être ouverts, où la parole devait être révélée. La constellation des anges descendit pour le rencontrer. William Marion Branham a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole lui soit. Oh, il a dû parcourir ses 50 kilomètres avant que la parole soit accordé. Toi, mon bien-aimé, tu dois parcourir ces 50 kilomètres avant que la parole te soit révélée. Ma bien-aimée, tu dois parcourir ces 50 kilomètres avant que la parole te soit révélée. Tu dois parcourir les 50 kilomètres avant que la parole te soit révélée. Zakola, tu dois parcourir les 50 kilomètres avant que la parole te soit accueillie. Ma bien-aimée, tu dois parcourir les 50 kilomètres avant que la parole te soit accueillie. Mon bien-aimé, tu dois parcourir les 50 kilomètres avant que la parole te soit révélée. Te soit accordée. Toi la moindre des villes de Juda, Bethléem Ephrata. Toi la moindre des villes de Juda, mais de toi sortira celui qui dominera. Mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Bethléem Ephrata, toi la moindre des villes de Juda, Bethléem. Toi la moindre des villes de Juda, mais de toi sortira celui qui dominera. Mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement pourquoi la petite Bethléem et Juda. Je me demande pourquoi la petite Bethléem. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem et Juda.
y avait Silo, ce haut lieu d'adoration. Il y avait Gilgal, cet autre lieu d'adoration. Même Kadesh Barnea, cet autre lieu d'adoration. Mais n'oublie pas Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Ah. Il y avait Silo, ce haut lieu d'adoration. Il y avait Gilgal, cet autre lieu d'adoration. Même Kadesh Barnea, cet autre lieu d'adoration. Mais n'oublie pas Jérusalem, la ville sainte de l'Éternel. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Et moi je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Il y avait des catholiques, des luthériens et des baptistes. Il y avait des pentecôtistes, des adventistes du septième jour. Je me demande pourquoi seulement William Marion, pourquoi seulement Romanin Lévis. Je me demande pourquoi seulement Romuald Ngalibali. Je me demande pourquoi seulement Yam people Zakola. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem. Il y avait des catholiques, des luthériens et des baptistes. Il y avait des presbytériens, des adventistes du septième jour. Je me demande pourquoi seulement du ciel du Foucault. Je me demande pourquoi seulement Clément Kassongo. Je me demande pourquoi seulement Dio Kassamoulouja. Je me demande pourquoi seulement Beka Barouti. Je me demande pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Bethléem Ephrata, la maison du Père de Dieu. Bethléem Ephrata, la maison de l'eau de vie. Bethléem Ephrata, qui est mon âme prédestinée. Bethléem Ephrata, toi mon âme prédestinée. Jésus-Christ notre Seigneur, étant le pain descendu du ciel, étant la fontaine d'eau vive, ne pouvait que naître à Bethléem, ne pouvait que naître dans ton âme, mon bien-aimé, ne pouvait que naître dans ton âme, ma bien-aimée. Maintenant j'ai compris pourquoi seulement la petite Bethléem. Et moi j'ai compris pourquoi seulement la petite Bethléem de Juda. Maintenant j'ai compris pourquoi seulement la petite Bethléem. J'ai compris pourquoi seulement la petite Bethléem.
Je vous demanderai de méditer les paroles de ces chants comme une prière, car c'est là la finalité de ce message. Pour les autres, que cela soit notre prière ce soir, alors que nous allons à la fin de ce concert. Que le Seigneur vous bénisse. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. 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 Le soleil chaque jour éclaire toute la terre, sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. C'est ça le bien-être universel. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Frère Branham dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Non jamais, oh bon jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il le fait toujours pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit la communion, il a produit la patience, il a produit le Saint-Esprit pour que nous puissions les consommer. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.
le but de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, le but de tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à Tahiti. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Devant donc vivre à l'image de la nature, nous devons donc vivre à l'image de la nature. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. 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 Le grand plan, ça pourra aller dans les
cola dans les détails. Les détails de la vision. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour William Branham. Il nous a apporté les détails de la vision. Merci Seigneur. Les pharisiens crucifièrent mon Seigneur alors qu'il se mourait à la croix de Golgotha. Ils lui ont lancé: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous croirons. Les pharisiens crucifièrent mon Seigneur alors qu'il se mourait à la croix de Golgotha. Ils lui ont lancé: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous croirons. Mais ils avaient oublié un détail. C'était que comme Jonas passa trois jours dans les poissons, de même Jésus-Christ devait mourir et ressusciter le troisième jour. Mais ils avaient oublié un détail. C'était que comme Jonas passa trois jours dans le poisson, de même Jésus-Christ devait mourir et ressusciter le troisième jour. Mais l'incrédulité verra toujours, oui toujours, le tourment sans nous parler. Allez dans les détails de la vision. Mais l'incrédulité verra toujours, oui toujours, le tourment sans pourtant aller dans les détails de la vision. Gloire à Dieu. Le prophète Balaam, du haut de la montagne, yes, sir, contemplait Israël qui était dans la vallée. Comment ils étaient mordus par les serpents. C'était le type d'Israël dans le péché. Le prophète Balaam, du haut de la montagne, contemplait Israël qui était dans la vallée. Comment ils étaient mordus par des serpents. C'était le type du chrétien, yes, sir, dans les péchés. Mais il avait oublié quelques détails. La colonne des nuées qui était au-dessus du peuple. Le serpent des reins qui faisait l'expiation. Et le rocher frappé, alléluia, qui donnait de l'eau. Mais il avait oublié quelques détails. La colonne des nuées qui était au-dessus du peuple. Le serpent des reins qui faisait l'expiation. Et le rocher frappé, la parole qui donnait de l'eau. Oh, mais l'incrédulité verra toujours, oui toujours, le gros plan sans pourtant aller dans les détails de la vision. Oui, l'incrédulité verra toujours, oui toujours, le gros plan sans pourtant aller dans les détails, les détails.
Écoutez ça maintenant. William Branham, le prophète du temps du soir, alors qu'il avait reçu la vision du caribou, il a attendu l'apparition de la chemise carolée avant de tuer. William Branham, le prophète du temps du soir, alors qu'il avait reçu la vision du caribou, il a attendu l'apparition de la chemise carolée. Alléluia! Avant de tuer, mais l'incrédulité verra toujours, oui, toujours, le combat. Détails de la vision. Oh, oh, oh. Les détails de la vision. Les détails. Les détails. Oh, oh. De la vision. Les détails. Les détails de la vision. Oh, oh. Les détails de la vision. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Et amen, 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 amen. Il est digne de louange. Il nous a donné la possibilité de voir la vision dans les détails. Frère Branham dit, le diable n'apportera jamais la parole mot à mot. Il ne donnera jamais les détails. Oui, l'incrédulité verra toujours. Toujours les grands plans sans pourtant aller dans les détails, les détails, les réalisations. Merci Seigneur. Bon fin d'été, bon fin d'été. Yesoué, Yesoué. Yesoué, Yesoué, Zambé Nanga. Alléluia. Aïe Mango. Aïe Mango. Ça va. Aïe Mango. Ça va. Ça va. Ça va. Applaudissez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Yesoué, Yesoué, oh, Yesoué, Yesoué, Yonzambe Langa. Oh, hallelujah. Yesoué, Yesoué, yeah, 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 Yesoué, Yesoué, Mobali Nalibala. Il est digne de louange. Yesoué, Yesoué, oh, oh, Yesoué, 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 oh, tata tonda bonibo, Yesoué, Zambé wanga, tata tonda poboto, Yesoué, Zambé wanga, yonde likonji na moto, Yesoué, Zambé wanga, yoko tumba masumu nyonzo, kati wanga, Zambé wanga. Yone mwana na pate Yesu Zambe wanga Yomi pesa ki mbeka na kolobo Zambe wanga Yone kimelo na mbao Yesu Zambe wanga Nako bange lokote Yesu Zambe wanga Yone mwate na yawe Yesu Zambe wanga Yoko kenge la kanga itango Zambe wanga Maloba na yo, bomo Yesu
Santola Yahweh, Santola Yahweh, Santola Yahweh, Santola Yahweh, Alléluia. Yemela Yahweh, Yemela Yahweh, Yemela Yahweh, Yemela Yahweh, Alléluia. Il nous tremble.
jusqu'à la plénitude.